Dani, après Liège, ben voilà, une nouvelle victoire ce soir, une victoire importante avec un concurrent direct, on peut le dire. Ben en tout cas, c'est une victoire importante parce qu'elle suit le match de Liège. Il était important pour nous de confirmer la prestation qu'on a eue contre Liège. Et les erreurs du passé ne le sont pas d'aujourd'hui. Hein. On a appris des erreurs de la saison dernière et on a bien réagi. Ça a été un match compliqué, mais en tout cas, les garçons ont bien réagi. Justement, comme tu dis, hein, c'était un match compliqué, comme on en a eu tout plein là, la saison passée. Il y a quand même d'énormément de progrès, ou bien de leçons qui ont été faites depuis la saison passée. Oui, ben, les garçons grandissent, ils vieillissent, ils apprennent. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est une leçon que moi, j'en tire. Et c'est un match qui n'est vraiment pas facile à coacher, qui n'est pas facile à jouer pour les joueurs non plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a été chercher des points qui sont très importants dans la façon d'avoir été la chercher. Parce que faut savoir gagner de plusieurs façons, faut savoir marquer des buts de plusieurs façons, faut savoir se maîtriser de plusieurs façons. Et ça, ce soir, on l'a démontré. On a vu, hein, c'est des matchs différents. Liège, mercredi, aujourd'hui, Ticino. C'est deux matchs différents quand même. Oui, c'est deux matchs différents, forcément. C'est deux adversaires qui sont complètement différents. Avec des ambitions qui sont peut-être un peu différentes. Mais en tout cas, je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le Ticino d'aujourd'hui, ce n'était pas le Ticino d'hier. Hein. C'est une très, très bonne équipe. Elle est bien coachée. Il n'y a rien à dire. Alors du coup, ce soir, je dirais que les garçons ont été chercher trois points importants. On peut dire, ben ouais, ce sera un championnat qui sera assez intéressant à suivre, à continuer à suivre cette année. Ben, c'est un championnat intéressant. C'est une évidence. C'est maintenant à nous de rendre intéressant et à se présenter sur la glace comme on l'a fait depuis le début de la saison, c'est-à-dire avec la rage au ventre et la détermination de gagner, en tout cas de se donner tous les moyens possibles pour gagner nos matchs et donner aussi une bonne prestation. On voit, hein, ça s'enchaîne, hein, ben, dimanche de nouveau un match important à Zoug. C'est quoi la devise? Récupération, se remettre un peu je dirais de bien récupérer demain, ça va être super important. Et ensuite, ben, de se remettre au boulot, hein, ça va être un match compliqué, un déplacement compliqué. Alors, je dirais, se remettre les idées en place et puis être prêt pour encore une grosse bagarre. Bonne chance, Dani, et à tout bientôt. Merci.